Bon, et ben voilà, une journée sympathique sur le chantier. Ça a pas trop mal avancé. Des petits détails qui auraient dû être mieux gérés en amont que j'ai fait au fur et à mesure. J'ai regardé le niveau, je suis bien, sauf dans l'angle là-bas au bout où je me suis un peu affaissé d'un demi centimètre. Ce qui n'est pas très grave en soi, puisque de toute façon, après là-dessus, j'aurai un parquet sur l'embour de clouer ou visser, on verra. Voilà, là c'est le futur conduit de cheminée. Bon, j'ai fait large, hein, mais comme je sais pas encore ce que je vais faire, on verra bien. Et en fait, dans l'idée, là, bon, il est 6h moins le quart. Je vais mettre tout ça sur l'OSB que je viens de poser pour pouvoir bosser demain et finir cette partie-là. Enfin, avancer en tout cas. Voilà, bon, c'est la première fois que je pose de l'OSB et que je fais un plancher intermédiaire, donc on verra bien. J'ai mis à chaque fois du feutre en laine de bois qui me sert à deux choses, principalement en atténuation acoustique entre les niveaux, et il me sert aussi de léger tampon en cas de désaffleure de mes lambourdes. Et puis voilà, ça devrait être pas mal. Allez, à bientôt! Du coup, bah, ça avance bien, c'est pas mal du tout. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à mettre mes chevrons, mes solives en place, uniquement taillés pour voir si ça rentre correctement. C'est à peu près tout de niveau, donc ça c'est bien. Je vais vous montrer maintenant comment je vais fixer en fait l'ensemble au mur. Soit j'aurais pu venir mettre des chutés avec des chutes chimiques là-dedans dans le mur de temps en temps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, donc là, j'ai un vieux mur en pierre, on peut le voir ici. Et en fait, là, sur ce mur en pierre, je vais avoir 3-4 cm de chaux chanvre. Et après, en finition, un plat très chaud de 1, 2 ou 3 cm, on va voir. Ce qui fait qu'en fait, ma solive qui fait là 80 mm d'épaisseur, quasiment elle va être noyée dans l'enduit. Donc en fait elle va reposer là-dessus, donc j'ai pas vraiment besoin de la fixer spécialement. Et en fait là actuellement, déjà on voit que ça tient, hein. Et actuellement ça tient juste à ce qu'on voit là-bas. Voilà, pour l'instant j'ai juste mis une petite briquette avec un peu de plâtre gros, comme en face. On peut voir là-bas la petite briquette. Et il y a de l'autre côté. Bon, voilà. Donc actuellement, ça tient uniquement sur ces deux supports. Voilà, et en fait, je vais renforcer. Je vais mettre des pointes sur la solive en nid d'abeille. Je vais vous montrer. Et puis après, je coule du plâtre dans l'interstice. Ici, là, hop, là-dedans, on va couler du plâtre. Être assez liquide, pas trop gros. Au préalable, évidemment, j'aurai bouché toute la partie ici entre les deux. Je vais faire du plâtre pour venir un peu faire un genre de voûte, on va dire comme ça. Et puis voilà, on va couler. Puis après, ça bouge plus. Ce que j'ai fait là-bas, ça n'a pas bougé un cachou. Donc il n'y a pas de raison que ça bouge par la suite. Voilà, à tout de suite.
Donc là, c'est depuis les fenêtres. Donc au final, je serai un petit peu plus haut. Là, je suis sur l'OSB. Donc après, il y aura encore les lambourdes et le parquet. Donc c'est pas trop mal, une vue sympathique. Et quand je retourne à l'intérieur, voilà un peu l'espace. Donc après, là, on voit bien la charpente, il y a 30 cm. Donc je vais isoler en laine de bois. Après, je vais rajouter certainement 10 cm en plus, qui me fera 40, ce qui sera très confortable. Avec dessus un plâtre. Et isolation par l'extérieur. Donc là, tous ces petits caissons, ça va faire certainement des étagères, des trucs comme ça. Voilà.